Et bonjour, encore une petite vidéo aujourd'hui. Tu remarqueras que je suis habillé comme hier. C'est parce qu'en fait j'ai fait deux vidéos d'affilée. C'est pour gagner du temps, tu vois. Et puis j'avais un peu de retard, tu vois. Donc aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te parler un petit peu de tout ce qu'on entend sur internet. Des gourous de la self-défense et tout ça. C'est vrai que je regarde beaucoup internet moi-même et je vois beaucoup de choses aberrantes. Parfois même, je vois des mecs très intelligents qui, à force de parler des gourous, et bah, les mecs, ils en ont marre, si tu veux. Et ils finissent par dire des conneries sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément des gourous. Tu vois, moi, par exemple, j'enseigne la self-défense. Et effectivement, je dois faire extrêmement attention à ce que je dis. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que j'estime que la self-défense, c'est quand même quelque chose de très particulier, tu vois. C'est un sujet qui est très sensible. Parce que tu peux mettre des gens en danger en fait si tu dis et fais n'importe quoi. Alors ce qu'il faut se dire en fait avec la self-défense, c'est que tout le monde a ses idées, tout le monde a des a priori, tu vois, tout le monde a une culture, des connaissances, enfin bref. Et donc forcément les mecs entre eux, ils sont jamais d'accord. Et des fois tu as des mecs très intelligents qui arrivent à se disputer pour des futilités. Et surtout pour des croyances, en fait. Des croyances extrêmement limitantes, d'après moi. Parce que ces mecs-là pensent qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Alors que ce sont des choses totalement réalisables. C'est juste que ce n'est pas de leur niveau, en fait. Il faut le dire, hein, on ne sait pas tout, on sait pas tous tout faire, tu vois. Le mec, même qui est champion du monde de boxe, face à un couteau, en fait, il ne sait pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le mec qui sait faire quelque chose face à un couteau, il n'est peut-être pas champion du monde, il ne le sera peut-être jamais. Tu vois, par exemple. Et en même temps, t'as des gars très cons qui parfois disent des trucs intelligents. Tu me ranges dans la case que tu veux, j'en ai rien à faire si tu veux tout savoir. Mais voilà, il faut faire extrêmement attention avec tout ce qui se dit sur la self-défense, parce que si tu prends tous les conseils au pied de la lettre, tu peux effectivement te mettre en danger. Je pourrais te dire, même mes conseils, tu vois. Moi j'ai mon expérience et j'ai une vraie expérience pour le coup. Je sais ce que c'est une agression. Pas juste une agression, je sais ce que c'est que de se faire agresser, je sais ce que c'est que d'aller récupérer un couteau sur un mec qui est complètement taré, tu vois, et je sais me battre, tu vois, pour le coup, j'ai pas peur de grand chose, mais je suis quand même conscient que tout peut m'arriver quand même, et que peut-être un jour je me ferai casser la gueule ou je me ferai crever, j'en sais rien. Après, si j'ai peur de rien, c'est essentiellement parce que je cherche pas la merde. Tu vois, plus jeune, je cherchais plus la merde, j'avais plus de problèmes. Aujourd'hui, je cherche plus la merde, j'ai plus de problèmes. Mine de rien, j'ai pas toujours eu des problèmes que parce que je cherchais la merde. Tu vois, donc ça suffit pas toujours. Cela dit, je sais que tout ce que je te dis, ça fonctionne. Je sais que c'est vrai. Et en général, je le dis par expérience. Maintenant, tout ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour tout le monde. Tu vois. Si à un moment donné, je te dis, je sais pas moi, je te montre un coup de pied retourné et que tu fais 120 kg, tu vas avoir du mal tout de suite à faire un coup de pied retourné. Ce ne sera pas du tout utile pour toi, tu vois. Si je te dis qu'il faut que tu partes en courant aussi, que tu fais 120 kg, ça va être compliqué. Par contre, si je commence à te dire, bah mec, mets-toi au sport, commence à perdre du poids et apprends à boxer, tout de suite là, ça devient cohérent, tu vois ce que je veux dire. Attention, je ne suis pas un pro boxeur. En tout cas, boxe comme les gens l'entendent, c'est-à-dire boxe anglaise, tout ça. Bien que j'adore ces sports, je trouve ça génial. Moi, j'ai essentiellement pratiqué des boxes qui viennent de Chine, du Japon et de Corée. Mais il faut quand même apprendre à boxer, à taper, tu vois. Et il faut éviter de se mettre en danger pour des bêtises, tu vois. C'est pas parce que tu apprends à faire des trucs que boum, ça y est, tu vois, tu vas être capable de désarmer le mec, tu vois, de le ranger en position latérale de sécurité, tu vois. Tu dois toujours te rappeler que peu importe les conseils que tu écoutes, déjà par du principe que tout n'est pas bon pour toi, par du principe que ce que dit le mec, c'est peut-être pas vrai en fait. Demande-toi si le type, tu vois, il s'est déjà fait agresser. Moi, quand je vois un prof de karaté, tu vois, qui explique comment se défendre face à un couteau, ou même un prof de boxe, tu vois, je me pose la question, mais ils ont dans leur programme d'entraînement, ils avaient le couteau. Est-ce qu'ils n'ont pas appris en regardant des vidéos sur internet, tu vois, les cons? Est-ce que le mec il s'est déjà fait planter par un couteau? Quand un mec m'explique comment éviter un coup de poing, je me demande s'il a déjà pris un coup de poing dans la gueule, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que le mec il est champion du monde, en plus, pour le coup,
qui va être pertinent. Parce que le champion du monde, si tu veux, il agit sur un terrain qui est orthonormé, qui est sécurisé. Et dans la rue, ça n'existe pas. Alors, en général, ces mecs-là sont loin d'être cons. Quand ils s'intéressent à la self-défense, ils prennent en compte tout ça. Mais tu dois quand même te poser la question parce que tous ne le font pas. D'accord ? Maintenant, quand tu vois un mec bon, qui est champion de rien du tout, mais qui fait des techniques de Shifumi, déjà, demande-toi si ce qu'il fait est cohérent aussi, toujours. Regarde ses références. Et surtout, c'est toujours intéressant de demander, mais quels sont... de se demander quelle sont sa légitimité, en quelque sorte, tu vois. Alors, évidemment, le mec n'est pas forcé de t'expliquer toute sa vie, tu vois. Mais déjà, de base, si tu commences à te poser ces questions et que tu commences à te demander si ce qu'il te dit est cohérent ou pas, déjà, tu es sur le bon chemin, je dirais. Parce que si tu vas chez n'importe quel taré qui te dit « Ouais, moi, je sais faire ça, viens, je t'apprends. » Si tu t'inscris dans n'importe quel club et que tu te lances... corps et âme, ben, ça va donner en fait la flopée de mongols en fait qu'on voit actuellement qui se baladent avec des ceintures noires et qui font des photos comme ça. Regardez, je fais du Shifumi, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un gros problème dans les arts martiaux, c'est qu'aujourd'hui les ceintures noires on les donne à tout le monde, tu vois. Donc tu as des mecs qui sont ceintures noires de Shifumi, tu vois, quatrième dan, et qui sont incapables de mettre un coup de pied ou un coup de poing correctement, qui n'ont pas d'appui, qui se sont même jamais battus. Tu peux gagner une ceinture noire sans être vraiment battu, en fait, jamais, sans avoir fait même de combat, surtout dans les hauts grades, tu vois. Et puis, tu peux même être champion du monde, en fait, et avoir jamais combattu non plus. Tu sais, ton adversaire, il a fait forfait ou un truc comme ça. Bref, c'est pas parce que le mec brille qu'il sent forcément bon, tu vois. Ça, c'est super important. Quand tu cherches à pratiquer un art martial, essaye de te poser toutes ces questions. N'y va pas les yeux fermés. Renseigne-toi un petit peu et puis n'hésite pas à poser des questions aussi. N'hésite pas à demander et n'hésite pas à comparer. D'accord ? Quand tu entends quelqu'un qui te dit quelque chose sur la self-défense, comme je suis en train de le faire là par exemple, ou sur les arts martiaux, peu importe. D'ailleurs, ça vaut dans tous les domaines. Réfléchis, pose-toi les bonnes questions et demande-toi surtout sur quoi est construit son argumentaire. Ensuite, évidemment, il y a le feeling aussi. Il faut que tu trouves un prof qui te plaît bien au niveau de son travail, tu vois, qui te convient bien au niveau de sa qualité de travail, au niveau de sa sympathie, son humanité, tout ça, blabla. Et puis voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et puis laisse un commentaire. Allez, bonne soirée.